Et salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement sur un nouveau jeu Roblox, on est sur Super Beach House Tycoon. En gros, aujourd'hui nous allons faire une maison de rêve avec directement la vue sur la mer. Ah, même si franchement cette petite vue ça me donne qu'une envie, c'est de prendre une petite chaise, un petit transat et me poser jusqu'à la fin de la journée comme ça. Mais non, car aujourd'hui on a du boulot, on doit créer notre maison juste là. Alors là à mon avis on va faire une maison mais tellement stylée, mais surtout avec une vue comme ça qui va coûter mais tellement cher. Ouais, c'est la vue qui fait tout, hein. Allez, c'est parti. On commence avec un petit dropper copper coin. Waouh. Ah ouais, d'accord, donc directement sur mon terrain, apparemment, il y a des minerais assez rares, ça va directement les choper. Et ça donne des petits trucs comme ça, là, des petites pastilles, on dirait des bonbons, j'ai envie de les manger, quoi. En tout cas, ça fait plaisir, car ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tycoon sur la chaîne, il n'y a pas eu des tycoons de ouf qui sont sortis, mais celui-là a l'air d'être quand même pas mal stylé. Donc, nous allons le faire. Allez, bronze coin dropper qui va choper du bronze. Oh, regardez, il y a un joueur qui a une voiture, carrément. Ouais, parce qu'apparemment, on va pouvoir aller acheter des voitures là-bas au shop, mais on va pouvoir également aller dans la ville derrière, et peut-être avoir des avions, des trucs comme ça. Bref, en tout cas, pour commencer, il y a un truc qui est très bien, c'est de mettre les petits codes comme ça. Hop, 1 million, ainsi que le code BEACH, comme ça, qui donne je ne sais combien, 8000 en tout. Eh ben là, on est bien, on va pouvoir commencer à faire tout ce qu'il faut pour gagner un maximum de thunes avec un upgrader, un nouveau dropper, un dropper de quoi? C'est un dropper d'argent, ça, je pense, de silver. First floor, ok. On a mis les fondations de la maison juste là. Et alors, attendez, ça, ok. Moi, je peux développer le dropper. Il n'y a pas d'autre dropper, parce que moi, je veux de la thune, surtout. Hein. C'est surtout ça, ma priorité. Il y a un truc jaune là-bas. Waouh, on a mis toutes les barrières autour. Trop stylé. Rebirth machine, 500 000. Ok, alors ça, on n'y est pas encore. Ce sera à la fin. Alors ici, on va mettre une petite allée comme ça, très stylée, ok. Et non, apparemment, niveau dropper, on n'aura rien d'autre. Mais si, attendez, il y aura d'autres trucs ici. C'est sûrement qu'il faut l'agrandir par là, non? Même pas. Ouais, non, on peut pas l'avoir pour l'instant. Hein. Bref, en tout cas, moi, je vais prendre, comme d'habitude, un petit double cash à 200 Robux. C'est bon, ça passe. On prend ça. Si jamais vous achetez des Robux, pensez au petit code Redkill juste quand vous les achetez. Et nous, c'est parti, là. On a pas mal de thunes. De toute façon, j'ai toujours mes 8000 de tout à l'heure. Mais surtout, maintenant, je vais en faire de la thune. Oh, regardez, tout est fonctionnel. Ça montre que c'est un bon tycoon, ça, généralement. Alors, attendez, on va allumer ça. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est à ça que ça va ressembler à la fin? Je crois pas, hein. Non, non, c'est pas à ça que ça va ressembler. Alors, on va éteindre la télé parce que la pauvre, elle va prendre chaud un peu là avec le soleil directement. Vivement que j'ai un toit. Donc, la petite table qui sera là. Ici, on a des petits rangements. Ok, est-ce qu'on va faire un bureau? Ah non, non, c'est pas vraiment un bureau là. C'est les chiottes là, clairement. C'est parti! C'est parti de quoi? Non, mais je sors de là. On peut même utiliser le robinet ici, mais tout est fonctionnel. C'est trop cool. À part. Ah non, le PQ est pas fonctionnel malheureusement. Dommage, j'aurais bien tiré ça moi. Allez, donc ici on va mettre quoi? Oh, d'accord, des petites fondations qui vont faire tout le tour et ça y est, les murs intérieurs. Ici la petite lampe, on peut l'allumer, waouh. Des petits escaliers, d'accord, on va avoir un étage, bon ça je m'en doutais un petit peu. Oh, ça y est, on peut continuer à développer ici. On va pouvoir prendre un upgrader, mais regardez les codes, comment ils m'ont mis tellement bien. Ça me permet d'avoir vraiment tous les droppers dès le début. Et là, ben, on a directement des droppers à cash comme ça. Ah, let's go. Donc on va prendre, waouh, seulement 300$. Ouais, c'est pas fou, hein. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Des petits palmiers comme ça, trop stylé. Ambiance plage, voilà, on est bien, c'est l'été, c'est cool. Petit garage ici, avec peut-être ma première voiture, véhicule spawner. Ouais, véhicule spawner, attention. Ok, donc pour l'instant, j'ai la régulière, c'est vraiment la plus pourrie. Mais après, on va pouvoir avoir un quad, une voiture de sport, un lowrider, un pick-up convertible, super. Muffle buggy, waouh, mais il y en a tellement. Ah, je peux changer la couleur, je vais la mettre rouge direct. Allez, voilà. Donc, on continue avec la petite porte du garage, les petites fenêtres. On va arrêter avec le garage. Bon, je finis, j'achète ça, mais après, c'est surtout l'intérieur, moi, que je veux faire. Le garage, on s'en fout un petit peu. Hein. Mais en tout cas, on a tout ce qu'il faut. Là, regardez, on a des pneus de rechange s'il faut. Ouais, parce que moi, j'aime bien les cramer dans les ronds-points, mes pneus. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, waouh. Je suis pas sûr de vouloir ça, moi. J'ai pas envie de faire une crise quand je vois ce mur là. Fait un peu mal aux yeux quand même. Hein. Ok, donc des petits cadres ici. Enfin, des cadres, des petits rangements au mur. Voilà, les fenêtres. La cuisine qui est également très fonctionnelle. Enfin, on a que le robinet. Hein. Le tiroir, on peut pas le tirer. Les placards non plus. Ah, regardez par contre. Oh, je voulais pas m'asseoir. On peut ouvrir. Ah non, on peut allumer les plaques. Et ici, on peut allumer cette plaque à induction magnifique. Hein. Alors, waouh, les portes sont gigantesques. Ouais, elles s'ouvrent sur le côté comme ça. C'est les portes. C'est les fameuses portes qui rentrent dans les murs. C'est trop stylé ça. Si un jour je fais construire une maison, c'est ce que je veux. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Un deck, d'accord. De quoi se poser sûrement, histoire de profiter de l'été. Sauf que nous, on n'a pas le temps. Il faut travailler sur la maison là. C'est la construction.
Ici, on a le petit barbecue. Il est fonctionnel aussi. Oh, trop cool. Trop cool. Ah, on peut juste l'ouvrir et le fermer. On peut pas l'allumer. La petite lampe qu'on allume. Et ici, ok, la petite table de pique-nique. Oh, les petits galets pour aller sur la plage. Hop là, excusez-moi, j'ai oublié de vous éteindre. Non, mais je vais tout laisser allumer en fait. C'est stylé quand c'est allumé. Même la télé, c'est bon, je la rallume. Voilà, dès qu'il y a un truc que je peux allumer, j'allume. Comme ça, hop, voilà, consommation d'électricité, on s'en fout. La planète, on s'en fout. Donc, 2000 de cash à prendre ici. Il y a toujours pas de nouveau dropper. Non, toujours pas. Super upgrader diamond dropper. Oh, j'ai envie d'en prendre un petit diamond dropper. Ben, c'est parti. 80 Robux. On se fait plaisir aujourd'hui. Il est où mon diamond dropper, s'il vous plaît? Mettez-le, voilà. Alors celui-là, il doit me rapporter de la thune, je pense. Hein. Attendez, on va essayer de voir un petit diamant là qui sort de ce petit dropper. Mais non, il n'y a pas de diamant. Hein. Pour l'instant, il y a R, frère. Ah si, ça y est, un petit diamant et... Ok, ça donne à peu près 150, je crois. C'est pas ouf, hein. Bon, alors, au niveau de l'extérieur, il restait ici, voilà, un petit endroit pour aller jusqu'au garage, une petite route. Ici, on va avoir le chemin sur le côté, et allez, on va s'occuper de l'étage. Alors, attendez, je vais aller au shop directement. Oh non, mais attendez, avant d'aller au shop, il faut dépenser toute ma thune. Ah, mais quoi que, j'en aurais besoin pour le shop. Ouais, bon, allez, on s'en fout. Alors, attendez, oulala, c'est sport ici, hein. Pour aller faire le premier étage, il faut faire du sport un peu. Allez, donc, les murs de l'étage que nous allons mettre juste là, des petites décorations ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, un petit endroit pour stocker. Qu'est-ce? Oh, le passage secret! Oh, c'est trop stylé! C'est trop stylé! Alors attendez, qu'est-ce qu'on va mettre? Un portail! What the fuck, je suis allé où là? On a une armurerie personnalisée! Avec tout un tas d'armes qu'on peut débloquer. Sauf que bah, malheureusement, j'ai à peine de la thune pour acheter une épée là, mais que j'ai déjà. Enfin, c'est une nouvelle épée, mais attendez, on va pas acheter les armes maintenant, mais il est trop stylé ce passage secret. Franchement, c'est trop cool. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Une petite chambre, je suppose. Ah non, c'est une petite salle de gym. Wow, on va pouvoir pousser à la salle. Redkill, c'est pas en relevant les jambes comme ça et les bras le long du corps que ça va pousser. Non, non, il faut choper les barres comme ça, non? Bon, je sais pas, il veut pas en faire, alors... Ah, ça marche, ça, on peut en faire. Speed 14, oh. Je me suis pris le mur parce que j'ai arrêté la machine. Alors, ça, on peut pas en faire, les haltères, on peut pas en faire, et ça non plus, hein, tant pis. Oh, on va avoir un petit balcon ici à mettre. Ou une petite porte, faudrait peut-être mettre quelque chose, non, je sais pas. Y'a rien pour l'instant. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, c'est une nouvelle salle de bain. Ah, ben voilà, enfin un truc un petit peu plus sympa sur les murs, hein, qui fait un petit peu moins mal aux yeux. Et comme à mon habitude, on va tester les chiottes parce que c'est le plus important, évidemment. Et ici, on va mettre la petite baignoire qui fait plaisir et... Wow! Oula, 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 active l'eau, mais... Ouh, waouh! Trop stylé, en plus, je peux bronzer au soleil. Il est où le soleil? Ah, il est là, trop bien. Trop bien, le mec, il prend son bain et en même temps, il bronze. Alors, j'ai plus de thunes, on va aller en chercher. Oula, attendez, attendez, wow, on va passer par là. C'est bon. Toujours pas de dropper apparemment, c'est pas grave. On prend, wow, 7000 de cash. On va pouvoir débloquer les balcons. Les balcons, les balcons, les balcons. Ça y est, c'est un peu plus sécurisé, on ne tombera pas de la salle de gym. D'ailleurs, en parlant de ça, on va rajouter une petite porte ici. Et des petits piliers. Ben non, j'ai plus de thunes, ça y est, ça commence à être la galère là. Allez, je vais quand même débloquer 2-3 trucs là. 350, d'accord, c'est la porte pour aller dans la chambre. Et ça y est, j'ai plus de thunes officiellement avec cette petite horloge. Bon, allez, en attendant de faire un petit peu de thunes, je vais donc aller au shop voir ce qu'on peut acheter. Je sais pas du tout. Waouh, on tourne sur la porte. Oh, shit. Alors attendez, ouvrez-moi ça s'il vous plaît. Faut que je descende pour ouvrir. Oh là là, galère. C'est pas très automatique tout ça, hein. Pas très moderne. Alors donc, oh, mon voisin, il commence juste sa construction. Il est encore très loin. Le petit shop. Qu'est-ce qu'on va avoir? Il faut être VIP ou quoi? Je sais pas, on va aller voir. Oh ouais, il faut être VIP. Ah ok, c'est pour avoir une radio et Gravity Call. Ok, on s'en fout, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Du coup, ce qu'on va aller voir, c'est la ville là-bas. Il y a une grande ville avec plein de buildings. Oh, mais il y a également des hangars sur la droite pour avoir des petits avions. Trop stylé. Alors, attendez, est-ce que je peux passer dans les arceaux? Ah, là, en voiture, c'est pas censé, je crois pas. Attendez, on va prendre le tremplin, mais à mon avis, j'ai pas assez de vitesse. Oh, oh shit. Bon, c'est marrant. De toute façon, j'ai pas assez de thunes. Alors, waouh, on a un magnifique oasis ici. Alors, attendez, est-ce qu'on va passer dans l'eau? Allez, encore un peu. Encore un peu. Là, ça va être compliqué, hein. La voiture, elle sait pas nager, malheureusement. Ah, mais regardez, je peux me téléporter dans la ville. Vous ne pouvez pas... Ah, voilà, attendez. Hop, téléporter dans la ville. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, on peut acheter des appartements. Oh, attendez, je vais acheter un appartement, alors. 50 000 de cash. En plus, je vais pouvoir louer et gagner de la thune, je pense. Mais attends, mais il y a plein de trucs à acheter, en fait. Ouais, on peut acheter un truc ici aussi. Et on peut acheter les hangars ici. Ou juste les avions, je sais pas combien ça coûte. Oh, il coûte cher, 250 000, 1 million, 5 millions. Il y a quoi d'autre? Oh, il y a ce bâtiment également à acheter. Il est trop stylé. Allez, moi, je vais retourner à la maison. Pour l'instant, il faut que je développe cette maison quand même. Il faudrait que je développe un petit toit quand même, ça va être important. Alors, le petit piano, les petites fenêtres. Les escaliers juste là. Attention, on va avoir... Ah, ça va être sûrement un balcon. Non, on a un nouvel étage carrément. Oula, attendez, je vais pas continuer là. Il faut finir la chambre. Ah, je peux allumer la lumière par là, nickel. Ici, on met la petite chambre, le lit,
les fenêtres et le balcon qui est déjà là. Et ça y est, je crois que j'ai tout fait pour cet étage. Ah, il y a un truc à l'extérieur à débloquer là. Ah bah c'est la piscine. Fallait s'en douter, mais j'ai pas assez de thunes malheureusement, ça sera l'année prochaine. Donc, la partie suivante de cet étage-là, on achète les murs. Ah, mais qu'est-ce qu'on va avoir à cet endroit-là, ok? Quoi se poser comme d'habitude? Là, waouh, un petit balcon. Oh, je viens d'acheter un télescope à 12 000, je voulais pas l'acheter, il est trop cher. C'est n'importe quoi. Oh, un toboggan à 38 000. Mais attendez, mais c'est le côté des riches, ça. Moi, attendez, je veux débloquer les trucs un peu moins chers d'abord. J'ai plus beaucoup de thunes. Donc, nouvelle salle de bain ici avec seulement une douche. Il n'y a pas de toilette là. On ne pourra pas les essayer, je suis déçu. Oh, et regardez ce qui vient de se débloquer, les nouveaux droppers. Ah bah écoutez, je vais faire ça en priorité. Je vais économiser et ensuite, on pourra faire le reste. Bon bah j'ai économisé pas mal comme vous pouvez le voir. Regardez-moi cette montagne de cash incroyable. J'ai combien? J'ai 200 000 avec le x2, ça va me faire 426 000 en tout. On est bien. En tout cas, regardez, les droppers que j'ai mis là, bah, c'est les mêmes, en fait, juste un peu plus puissants quand même. Et nous, on peut continuer, donc, l'intérieur. Oh, il me manquait le petit chandelier. Waouh, ça, ça fait classe à l'entrée. En tout cas, l'entrée, mais elle est juste magnifique. Une entrée comme ça, tu peux ranger tes chaussures, des manteaux, des trucs. Bon, les manteaux, en ce moment, c'est pas la joie. C'est peu la présence, quand même. Allez, donc, on continue cet étage-là. Quoi? Hein, déjà, encore un étage? Je pensais qu'on allait s'arrêter là, mais non. On va voir. Oh. Ici, on va voir une petite bibliothèque avec un... Non, non, il n'y a pas de passage secret, là, cette fois-ci. Petite bibliothèque très sympa. Ici, j'ai rajouté un petit arbuste. Bedroom floor. Oh, c'est une nouvelle chambre. Les chambres sont très petites, par contre. Hein. J'aurais vu plus grand, moi. Mais bon, après, il y a tout dans la vue. Hein. T'as la vue de... Sur la plage, c'est ça le plus important. Quoique, regardez, les chambres, elles sont de ce côté-là, donc elles ont vraiment pas la vue sur la plage du tout. Hein. Donc, du coup, ce balcon-là, il restait quoi? On avait... Le petit plafond, le petit jacuzzi qui fait plaisir. Et ici, le toboggan, je l'avais oublié celui-là, 38 000. Je l'avais oublié. C'est parti, direction la plage. Ça y est, on peut... Oh, oh. Ah, ça y est, j'y suis. J'en ai marre de nager à l'envers, mais en ce moment, qu'est-ce qui m'arrive? Bref, du coup, ça nous a amené sur la plage, ce qui va nous permettre d'avoir, eh bien, le développement de toute cette partie-là, où on va avoir sûrement des trucs très sympas. Et la piscine aussi. Les palmiers, d'accord. Ici, on va avoir un petit bateau perso. On peut également acheter des bateaux, mais il y en a tellement. Jet ski, hovercraft, speedboat et un yacht directement. 1 million le yacht, c'est un truc de fou. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Les transats. Enfin les transats, on peut les utiliser ou pas? On peut les utiliser? Non, on peut pas. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Allez, c'est pas grave, en tout cas, on se prend la petite piscine au calme. Oh, c'est même pas une piscine creusée. Je suis dégoûté. Là, clairement, je suis dégoûté. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les plongeoires, les petits plongeoires. Ils sont fonctionnels ou pas? Non, non, c'est nul. C'est des faux plongeoires. Mais bon, au moins on les a. Allez, du coup, les petits palmiers qu'on rajoute. Un petit parterre de fleurs avec un feu de camp. Mais c'est risqué. Il ne faudrait pas mettre le feu ici. Bon, ça va, il n'y a pas trop de forêt aux alentours. En tout cas, on peut se poser là tranquillement. Et se raconter des petites histoires qui font peur. On peut allumer le feu. Ouais, on peut l'allumer. Yes. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile en ces temps un petit peu chauds là. Mais bon, au moins on l'a. Alors attendez, il restait un truc à développer ici, là, dans cette pièce. Et ensuite, on ira faire l'étage supplémentaire, du coup. Alors, c'était quelle pièce où il manquait un truc? Ah, c'était là. Les petites... Oh, ok, c'est juste les fenêtres. Là, on avait tout fait. La salle de gym. Et là, c'est ma petite salle secrète, vous savez, vous savez. Où il y a les petites armes. Donc, l'étage supérieur, c'est celui-là. Et on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est d'accord. On va avoir... Oh, c'est un peu mansardé, à ce que je vois. On a... Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est une nouvelle chambre ou quoi? Stage? DJ... Quoi? DJ stand? Wow, on peut mettre de la musique! Mais c'est trop stylé, on a une discothèque dans notre maison, c'est n'importe quoi! Regardez-moi ça, le distributeur de bonbons! Oh, le petit bonbon rouge, vas-y, mange-moi ça, Edkill, tu vas voir, tu vas devenir tout rouge! Hein? Qu'est-ce que ça me fait? Un petit peu de vitesse ou pas? Non, même pas! Ici, on a le dance floor qu'on peut allumer! Bah, par contre, ça change pas de couleur, hein, ça reste... ouais, on peut le faire clignoter, peut-être, même pas! Ici, on a une gaming area! Ok, on peut se poser un petit peu et jouer à... Maison simulator, apparemment. Oh, mais en tout cas, cet endroit est tellement stylé. Ah, ça y est, ça commence à bouger. Oh, cette maison commence vraiment à être stylée. Regardez-moi ça. C'est pas le rêve, franchement. Oh, j'aurais bien vu des baies vitrées à l'étage. Ça aurait été encore plus stylé. Allez, je vais me faire un petit plaisir. Je vais m'acheter un petit quad pour l'été. C'est parfait. Oh, on va pas le mettre en bleu, par contre. Hein. Vous le savez, on va le mettre en rouge, hein, évidemment. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais aller acheter un petit appart en ville. Ah, même si j'aurais pu me TP, tout simplement. Mais non, on va y aller en quad. On va y aller en quad. Donc, c'est par là. Je sais plus lequel c'était l'appartement le moins cher. Ah ouais, mais je suis obligé de repasser par là. Ok, on va se TP, c'est plus simple. Donc c'était cet appartement que j'avais pas pris tout à l'heure, 50 000. Du coup, on l'a, on peut rentrer maintenant à l'intérieur.
Eh mais on peut aussi le débloquer l'intérieur. Ah ouais, je peux rajouter des trucs, trop stylé. Alors du coup, une petite chambre là. Ah par contre c'est vraiment tout petit. Hein. Bon c'est un appartement en même temps, mais j'en aurai qu'un seul. Hein. Je peux pas racheter l'immeuble entier apparemment. Bon c'est la même cuisine que dans la maison. Oh je suis sorti. Et de ce côté là, on va avoir la salle de bain. Posé au calme. Oh mais il reste très sympa ce petit appart franchement. Bon bah voilà, j'ai tout terminé pour cet appart là. Bon en tout cas les abos, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La maison est terminée, l'appartement est terminé. Je vais me poser tranquillement un petit peu sur la plage, prendre du repos parce que là j'ai beaucoup donné hein. Ah mais attendez, je m'achète juste mon petit jet ski quand même. 25 000. Ah par contre on peut pas changer la couleur des bateaux malheureusement. Allez bah écoutez, on s'arrête là. Salut à tous, c'était Redkill. Bye tout le monde, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Aïe, ça passe pas là. Bye tout le monde.